veine spéciale? Plutôt aléatoire. Peut-être, mais pour ma part, je crois qu'on n'est pas facilement une jeune femme. Nick, vous ne deviez pas aller faire le... Voilà. Si. Si, c'est vrai. J'y vais. Donc, je lui ai dit. Il avait l'air d'avoir les jetons. Ça vous a fait plaisir? Non, je ne suis pas très sûre de ce que je ressens. Vous n'êtes pas encore amoureuse de lui. Il faut que vous passiez le dossier à Warwick. Il prendra les deux affaires là. Grissom, le docteur Robbins veut vous voir. C'est au sujet de votre squelette. J'arrive. Vous devez passer le dossier à quelqu'un d'autre. Si vous faites foirer l'enquête, on ne pourra pas revenir à Bayer. Vous pourriez compromettre les chances d'Eddie définitivement. Du sel et du sable. Tu es sur la plage. Ce n'est pas à exclure. Grissom, salut Doc. La ligne spéciale est en surcharge. 5 personnes ont reconnu la même femme, Faye Green. C'est sa mère qui l'a confirmé. Je veux savoir ce qui est arrivé à ma fille. C'est ce que nous cherchons à découvrir pour vous. Elle faisait pas mal de soins. Oh, oui. Vous la plongez sous marine? Elle venait d'avoir son brevet. Est-ce que Faye, avant qu'elle ne disparaisse, est partie en vacances, à la plongée ou passer quelques jours à la plage? Non, pas que je me souvienne. Et... elle vivait avec vous jusqu'à sa disparition? Non, elle venait juste d'aménager avec son petit ami, Jasmine Miller. Il habite encore à Mediapolis. Et la police l'a interrogé après votre fille disparue? Oh, plus d'une fois, mais il n'a rien à voir avec ça. Comment le savez-vous? Il aimait ma fille. Il faisait du bien. Ils se sont jamais battus. Pendant le premier mois d'une liaison, on ne se bat jamais. Elle était complètement folle. J'avais laissé Eddie me prendre sur ses genoux plusieurs fois. Il venait de vivre avec l'autre. Un parking? Oui, il m'avait demandé de sortir boire avec lui. Une fois sur le parking, il a commencé à m'embrasser. J'ai essayé de prendre ça à la rigolade, puis il m'a attrapé et il m'a coincé contre lui. Il est fort. Salut. Evans, je m'excuse, je suis en retard. Je suis Catherine. Appelez-moi Catherine. Je travaille à la police scientifique. Une scientifique? Vous avez l'air normal. Merci, Catherine. Tu me suis sur la voie? Oui. C'est bleu, c'est qu'il soit? Oui. Il m'a plaqué contre lui. L'infirmière a fait des tests pour l'agression sexuelle? Hein? Elle vient de terminer. Essayez de la trouver, je voudrais qu'elle fasse un prélèvement sous ses yeux. Quel genre de prélèvement? Tout ce qui pourrait faire la preuve qu'il y a eu lutte. Vous croyez que ce qu'elle a prélevé plus bas n'est pas suffisant? Le plus drôle, c'est que je l'adorais. Quelle est votre balle? Une balle ne disparaît pas comme ça. Excusez-moi, personne ne peut entrer dans le galimètre. J'ai vu ce qui s'est passé. Vous l'avez dit à la police? La police s'en prend l'air de... pas des flics. Fait partie du labo judiciaire. Dites-nous ce que vous avez. J'avais décidé de faire une balade. J'ai squatté une petite caisse géniale. J'étais bien au chaud, peinard, sur le siège du conducteur quand j'ai entendu une sirène. J'ai rien fait. J'ai pas de quoi me récupérer. J'ai des toujours en feu. Je suis tout droit.
faut dire à Grissom pour voir en guest. Il paraît que vous avez un témoin. Toujours fiable, la poignée d'hôtel. En train de débattre, là. Alors, ça se présente comment l'histoire avec Eddie Willows? Quelle histoire? C'est possible que j'ai demandé à Catherine de vous refiler. Ah, bien. Oui, on attend bientôt les résultats du labo. Vous avez joint le service des Capuquises? J'allais justement le faire. Warwick, vous appelez le service des cartes grises dans une affaire de viande?